Étienne, toutes les belles histoires ne sont pas d'amour, loin de là. Alors, ne gâchons pas ce qu'on a, d'accord ? Juliette Adam, âgée d'à peine 20 ans, publie son premier roman aux éditions Fayard. C'est avant tout une rencontre au cours d'une soirée. Lui, c'est Étienne. Étienne, un homme de 25 ans, qui a une vie banale, triste. Il se sent seul, un peu renfermé et peine à extérioriser ses émotions. Il va croiser le chemin de Chloé. Chloé, elle, c'est tout son contraire, sanguine au tempérament de feu et qui vit les choses très à cœur. Leur rencontre n'aura rien de romantique, bien au contraire, puisqu'elle commence par un coup de poing. Et il aura su Il suffit de cette petite maladresse pour que les deux personnages se rapprochent. Leur faille, leur désir de combler plusieurs vides, leur besoin de chaleur humaine dans une petite ville où il ne se passe rien, tous les deux vont danser et tourner dans une spirale morbide, toxique, comique et poétique. Quand la douceur d'un roman flirte avec une passion imprévisible, en d'autres termes, un tour de force réussit.